Bienvenue pour ce live. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Dites-moi si le son est correct, sachant que je n'ai pas mis de micro. Donc j'espère que vous allez bien en ce samedi. Par ici, c'est le matin. Il est 9 h du matin. On a toujours un 6 h d'écart pour l'instant. Donc j'espère que, encore une fois, vous entendez bien le son. N'hésitez pas à me dire en commentaire que c'est correct. Et comme d'habitude, hein, on va attendre doucement avant que j'entre dans le vif du sujet, au cas où. Parce que je pense que certains n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait un live. Donc peut-être que vous êtes là que de passage, et c'est bien correct. Merci Connexion Animale de préciser que ça marche bien. Donc ça c'est chouette. Pour patienter un petit peu, hein, parce que bah, pour rappel, hein, dans ce live, on va se parler. Enfin, je vais vous parler, je vais faire une sorte, on dit d'update, hein, de mise à jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si ça se voit en termes de communication, mais dans l'absolu, je me dis bah, c'est bien aussi de raconter bah, ce qui se passe en arrière-scène et surtout intérieurement. Puis je vous parlerai aussi de mon site internet, ce que vous pouvez y trouver, comment travailler avec moi, etc. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas tendance à faire et je me suis dit, vu la densité de mon site internet, sincèrement, là sur le coup, oui, je me suis peut-être un peu lâchée. Il y a plusieurs options en fait, il y a vraiment plusieurs possibilités, même s'il n'y a pas beaucoup de place en réalité. Hein. Mais je me suis dit, bah, j'avais envie de vous en parler parce que je suis assez contente de mon site, hein, dans le sens où je le trouve très joli, donc c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, ça me fait plaisir en fait, hein, tout simplement. Donc, pour rappel, le site c'est osalessence.com. Osalé, bah, comme ça c'est écrit là, comme vous le voyez, Ozalee, sens, sens.com. Donc, ça c'est simple, juste pour info. Et en fait, en patientant que tout le monde soit posé, j'aime bien ouvrir, on va dire, les sessions avec une carte, voir un petit peu les énergies, le message qu'on nous donne. Et là, sur le coup, le jeu que j'utilise, c'est Umrazai de Marie-Christine Chambon. Je pense que plusieurs doivent le connaître. Donc voilà, c'est pour info. Donc c'est aux éditions Arcana Sacra, hein, pour info. Et donc on va se prendre une carte. On va voir un petit peu l'énergie, on va dire, allez, de ce moment passé ensemble et pourquoi pas de la journée. La particularité, hein, des cartes d'Umrazai, c'est qu'elles sont assez poétiques. Donc on va voir. Qu'est-ce que ça inspire? Donc là, on a l'appel. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Donc je trouve ça plutôt pas mal comme message, et je vais vous expliciter pourquoi. Simplement parce que, bah oui, je vais vous parler un peu de moi, oui, je vais vous parler du site internet, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir que la notion d'oser son essence, oser qui l'on est, est la chose la plus forte chez moi. C'est ce qui vraiment me fait partager, etc. C'est ce qui mène ma propre vie en tant que telle. Et je pense que vous êtes plusieurs ici à qui ça parle, en fait, hein, de base, oser être qui l'on est, oser son essence. Et là, le fait qu'il y ait bah, cette notion-là, l'appel, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui, le fait qu'on soit là ensemble, etc., ça me fait un peu penser à cette consécration qu'on peut se donner à soi. Donc, quelque part, vous êtes là présent. Et voilà, c'est comme une consécration à vous-même. Bon, en tout cas, je le vois comme ça. Après, on fait ce qu'on veut. Alors, donc, par quoi je commence? Il y aurait tant à dire, mais je vais essayer de ne pas non plus faire trop. Là, le site internet, il a changé. Il a changé, il y a plus de choses qu'avant. Il faut voir que entre juillet 2020 et juillet 2021, j'étais sans domicile fixe, j'étais d'un point à un autre, notamment j'étais en France, j'étais en Grèce, j'étais en Italie, avant de revenir au Québec. Donc il y a eu toute une année qui a été très transformatrice parce qu'à la base, quand on voyage comme ça, bah, sans avoir de chez nous qui nous attend, sans savoir exactement combien de temps on va voyager, il y avait plein de choses avec le Covid, au niveau des frontières, etc., avec le fait que mon compagnon, est-ce qu'il allait pouvoir venir avec moi au Canada? Enfin, il y avait plein d'affaires comme ça, hein, il y avait une sorte de tension. Eh bien, ça retire tous les repères. Ça a été une expérience sincèrement très très riche, et il y a même une part de moi qui est là, bon, quand est-ce qu'on repart? Pour l'instant, je ne peux pas repartir, mais il y a quand même une part de moi qui en demande de ça. Donc j'ai vu à quel point le fait de changer d'environnement,
Le fait de ne pas avoir le choix de m'ouvrir aux personnes que je rencontrais, que je ne connaissais pas forcément, etc., a amené une souplesse que je n'avais pas. Coucou Yamina. Et une souplesse aussi que là je vois, là ça fait depuis juillet 2021 qu'on est installé dans un appartement à Montréal, etc., où je me rends compte que, la rigidité des pensées, en fait, des croyances qu'on peut avoir sur nous, etc., ben, devient plus forte. Et pour moi, ça a été c'est quelque chose aussi de marquant, maintenant que je suis posée, de constater ça avec le recul. De voir à quel point changer d'environnement, ne serait-ce que, on a tous été confinés, je ne sais pas si vous pouvez vous observer par rapport à ça, le moment où vous étiez confiné, pas le choix, le quotidien se ressemble beaucoup, et là tu peux sortir, tu peux voir des gens, rien que ça joue, en fait. Donc, quand je vous raconte ça, c'est juste pour dire que je veux mettre l'accent ici, et quelque part, dans tous mes accompagnements en général, c'est que si on veut du changement, il nous faut changer. Et c'est moins évident, ça peut dire impossible, heureusement, c'est moins évident de le faire quand on est toujours dans le même environnement, qu'on fréquente toujours les mêmes personnes, qu'on n'a pas d'autres angles de vue. Et tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, bah oui, je me suis retrouvée à pas pouvoir bouger, hein, le Québec et le pass vaccinal depuis septembre. Et en plus il y a eu froid, donc là tu sors pas, enfin voilà, enfin tu sors, mais bon, tu restes pas longtemps. Donc ça m'a amené comme dans mes retranchements de me dire, ok, tu peux pas partir, parce que mon cerveau me disait, faut partir, faut voyager, faut ci, faut ça. Je suis là, mais non, on dit que la mutation, de toute façon, elle vient de l'intérieur. Et là, la vie te demande de rester là où tu es. Je veux dire, j'avais pas l'option, parce qu'en fait, pour sortir du pays, il faut encore aujourd'hui être vacciné, donc c'est du genre, bah, t'as pas l'option. Bon, soit. Donc il y a eu plein de choses, hein, il y a eu des émotions, etc. Mais tout ça pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, parce que nous, c'est toujours l'hiver, hein, pour info, c'est pas du genre là tu peux pas non plus sortir et te poser dehors, ça marche encore pas, mais le pass va être retiré mi-mars, hein. Bref. Mais tout ça pour dire que avant tout ça, avant que l'extérieur me permette, eh bien moi, je me suis permis de me dire, mais attends, observe-toi. Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai de toi? Pour moi, ça, c'est l'enseignement de base. Qu'est-ce que tu te racontes? Tu te racontes que tu vois personne, t'es toute seule, ceux qui ont vu l'infolettre. Hein. Tu te racontes cette croyance, en fait, c'est-à-dire que tu l'alimentes, et la vie a fait quoi? Elle te répond là-dessus. Ouais, si je pense que je suis seule, il y a de fortes chances que je sois moins ouverte aux personnes que je peux rencontrer, parce que je vais partir du principe que de toute façon, on ne s'entendra pas plus que ça, donc c'est pas. Donc c'est d'observer ça. Et j'avoue que cet enseignement-là, qui paraît très simple, je me suis toujours dit, depuis que ça fait presque 8 ans maintenant, hein, aux allées et tout ça, sur les réseaux et compagnie, quelque part, j'ai pu voir à quel point ben, c'est la base. C'est-à-dire, ce que tu crois vrai de toi, eh bien, quelque part, c'est ce qui est là. Donc, s'observer, pour moi, c'est la plus grande clé, observer nos pensées, et à partir de là, de se dire, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à être ce que je crois vrai de moi. Après, il y a des choses qu'on croit vraies qui sont très bien, hein, on s'entend. C'est toujours ce principe de se dire, est-ce que les choses pour lesquelles tu te plains, hein, on a le droit de se plaindre, hein, dans la vie, ben c'est pas parce que tu penses ça vrai de toi. Et je peux vous dire que quand on a un aspect assez contrôlant, pour ça je vous racontais en fait le passage de voyage et tout, parce que pour moi qui, de base, est plutôt contrôlante, on va dire qu'est-ce que ça veut dire être contrôlant, hein. Eh bien, je pouvais plus l'être. Quand tu as toujours ton environnement qui change, je te dis, bah, à un moment, il va falloir faire confiance un petit peu. Et donc, quand je parle qu'on est contrôlant, c'est-à-dire quand ben, on a peur, en fait, dès qu'il y a un changement ou dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme prévu, eh bien, c'est parce qu'il y a un besoin très fort de sécurité. Une sécurité qui n'a pas été offerte en étant plus jeune, ce qui fait qu'on est devenu contrôlant, dans le sens c'était un modèle de survie. Et un modèle bah, qui peut très bien fonctionner. Quand je dis un modèle, c'est-à-dire que personnellement, j'ai quand même beaucoup osé dans mon parcours, malgré ça, malgré cet aspect. C'est juste que là, astrologiquement parlant, il y a des explications. Des fois, je me tâte à vous donner des ateliers en mode un peu spontané, comme ça, sur des aspects que tous on peut traverser, en fait. Mais bon, c'est une autre histoire. Et bien, de voir ça, de voir qu'à un moment, on a ce besoin de sécurité et de se dire, mais en fait, c'est pas que je veux contrôler, c'est pas que je veux pas de changement, c'est que je me sens insécure. Et donc de prendre soin de cette insécurité. Et pour moi, après je ne parle que pour moi, parce qu'il y a plein de voix, hein, n'est-ce pas?
eh bien, j'ai vu qu'à chaque fois que je m'amène, que j'agrandis ce qu'on pourrait appeler la zone de confort, parce qu'on ne fait que l'agrandir, en fait, pour moi, c'est la zone de sécurité, où on se sent sécure, où voilà, à chaque fois qu'on fait ça, on acquiert donc plus de sécurité intérieure. Et c'est une des grandes bases. Au-delà de la confiance vient avec l'expérience, mais pour moi, c'est cette notion de sécurité. En tout cas, si pour vous, vous vous trouvez contrôlant, là, si vous arrivez à avoir cette honnêteté et à le mentionner, parce que c'est pas facile, on n'aime pas qu'on nous fasse ce reflet-là, eh bien, dites-vous, en fait, c'est que je ne me sens pas en sécurité. En fait, je contrôle à ce point-là. Dans mon cas, par exemple, ça va être le cas que faut penser à ci, faut penser à ça, ça peut créer de la charge mentale, hein, en fait, hein, dans l'absolu, concrètement. Eh bien, c'est aussi parce que j'ai l'impression, avec la croyance « je suis seule », que personne ne peut me soutenir. Mais encore une fois, oui, ça a été le cas par le passé. Hein. Mais après, il y a eu des choses déformantes. Hein. Je veux dire, quand on a une croyance comme ça, on extrapole et on a du mal à voir, mais en fait, regarde, là, t'as eu du soutien, là, il y a eu ça. En fait, où est-ce qu'on porte notre attention? C'est aussi un truc que vous entendez souvent, mais pour moi, bah, je l'expérimente, en fait, je le vois, bah, c'est vrai. Si je porte mon attention sur ce qui va pas, je ne verrai que ça. Toujours la même chose. Ça peut être comme la personne qui va dans un magasin, ou dans la rue, tu sais, en pleine ville, et cette personne qui verrait les oiseaux, tu vois, alors que c'est bétonné, etc., mais t'as des oiseaux. Donc il y a la personne qui... J'aime les oiseaux. Il y a la personne qui va fixer son attention sur les oiseaux, et t'as l'autre qui va être là. Ah, mais la ville, je déteste ça, etc. Vous voyez, c'est la même situation, finalement, c'est-à-dire le même contexte, mais en fonction de l'esprit, on ne va pas focaliser sur le même point, et donc on ne va pas vivre la même expérience. Donc, cette grande introduction, en fait, pour dire que le changement, c'est la vie, et que bien souvent, on essaye de contrôler le changement. C'est-à-dire, on veut que ça change, mais quand on le décide, de la façon dont on le décide, etc. Bien sûr, je fais une généralité, parce que, bah, en fonction de chacun, vous avez pu aussi... ça peut ne pas être ça, là, le thème pour vous, en ce moment. Mais c'est de voir ça, c'est-à-dire que être force de proposition face à la vie. Quand j'ai force de proposition, c'est s'ouvrir. Moi, actuellement, ceux qui sont dans l'infolettre, vous l'avez vu. Je vous ai dit, bah voilà, je sais que dans mon entreprise, j'arrive à un stade où je ne peux plus toute seule parce qu'en fait, je me mets une très grande pression, hein, en fait, intérieure, etc. Pourtant, je travaille sur plein de croyances et tout, mais à un moment, c'est de dire, ok, mais là, il y a une action. Tu vois, là, tu dois faire quelque chose. C'est ça aussi la responsabilité, prendre soin de soi. Et c'est aussi une prise de risque, c'est-à-dire, prise de risque, j'agrandis ma zone de sécurité. C'est vraiment ça, ici, la base. Hein. Et donc, c'est de voir qu'à ce moment-là, qu'à partir du moment là où je me suis dit, bah oui, tu dois trouver... Alors, là, je suis en train de voir qui est-ce qui va correspondre le mieux. C'est-à-dire que je m'ouvre à rencontrer des personnes qui ont certaines qualités, qui, à mon sens, c'est ce qu'il faut pour mon entreprise aujourd'hui. Mais voilà, je me laisse la chance. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais rencontré une personne. C'est-à-dire je me serais dit... Faut que tu sois sûre, toujours un peu le contrôle là derrière, faut que tu sois sûre, ok, c'est elle, hein, parce que ton temps il est précieux, donc c'est elle. Donc, alors que là, non. Là, je me dis, ouvre-toi, écoute, ressens, parce que bien sûr, il faut qu'il y ait une connexion, pour moi c'est très important, et tu verras bien. Et pour revenir à l'infolettre, j'ai proposé, j'ai dit, bah voilà, pour l'entreprise, je m'ouvre à toute aide qui pourrait être là. Alors bien sûr, je fais plus appel à des personnes qui travaillent déjà dans le domaine entrepreneurial, hein, en fait, hein, bien sûr, mais je n'ai pas précisé. Je n'ai pas dit « c'est ça que je veux ». Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, je me dis « mais des fois, tu ne sais pas l'aide qui est peut-être disponible ». Et ça, je vous laisse voir ça par rapport à votre vie, où vous en êtes, etc. C'est-à-dire, je me suis dit « mais si tu demandes une chose précise, bah, les gens qui ne correspondent pas à ça, bah, de toute façon, ils vont pas répondre. Et peut-être que toi, tu penses que c'est ça dont tu as besoin, mais en fait, tu as peut-être besoin d'autre chose. » Donc j'ai laissé complètement la porte ouverte. Et c'est sûr que ça doit être un peu perturbant parce qu'on est habitué. On est habitué qu'on nous demande des choses précises, en fait, c'est, donc on peut répondre. Alors que là, c'est, ok, quelles sont toi tes compétences? Peut-être que tu as vu des choses par rapport à mon entreprise que je ne vois pas, ou que je considère que c'est pas la peine, etc. Alors que, étant donné que t'es dans ma communauté, quand je parle de communauté, pour moi, c'est vraiment, quelque part, on a des valeurs communes, en fait, c'est ça qui est très important pour moi, peut-être que ça pourrait bien le faire. C'est juste que de base, là, ne sachant pas où aller, je vais pas forcément y aller. Donc cette ouverture, pour moi, c'est ouvrir la porte. C'est un moment, tu vis une situation, etc. C'est comme, tu sais, tu peux... Parce que, bon, on vit des choses tout le temps, hein, normal. Mais qu'on en parle à des amis, on ouvre la porte. Tu vois. On peut rester dans notre coin, à se dire, ok, je vais ressentir la bonne chose, etc. Mais on le sait aussi à quel point, peut-être, l'ami ne va pas te donner de réponse. Les autres ne te donnent jamais de réponse.
c'est juste ça te fait un reflet de toi. Mais le fait de pouvoir en parler, moi je le vois à quel point des fois je parle avec des amis, etc. Et je donne mes réponses en fait. Je me dis, ah, ok, je ne l'avais pas vu comme ça, et là en t'en parlant, parce que l'autre a peut-être posé une question ou a juste été à l'écoute. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est à l'écoute pour vous, ça j'ai, en fait, c'est ce que j'observe, hein, eh bien, on est présent à nous-mêmes. On peut être présent sans avoir personne, mais ça fait partie de la dynamique de la vie. C'est-à-dire que je vois beaucoup, au niveau aussi de mon propre chemin, j'ai un côté très ermite hein, initialement, parce que là vous allez peut-être vous me dire, mais t'es à l'aise, oui, bah, ça fait quand même pas mal de temps que je fais des vidéos, etc., pour mettre le contexte, mais je vois à quel point, personnellement, je suis toujours dans un équilibre intérieur, là, ermite, et extérieur, volonté de communiquer, etc. Et après, bien sûr, à côté de ça, il y a le côté énergétique qui rentre en ligne de compte. Parce que entre prendre soin de mon intérieur, parce que quand je parle d'intérieur chez moi, bah, peut-être que je vais bouquiner, je vais faire des choses comme ça, alors que bah, parfois il y a peut-être juste besoin d'aller en nature, il y a peut-être juste besoin de ne rien faire du tout, histoire de régénérer en fait l'énergie pour en avoir suffisamment pour revenir au devant de la scène, que ce soit avec vous, que ce soit avec des amis, etc. Pour moi, il y a vraiment ça dans mon parcours à chaque fois de réguler. Donc voilà, donc tout ça pour dire que avec cette ouverture-là, j'ai vu mon site internet qui n'avait pas évolué depuis pas mal de temps, parce que ça demande beaucoup de temps. Au début, je pensais le passer à quelqu'un. Et bah, la personne que j'avais trouvée, bah, finalement, on n'a pas pu. Et je me suis dit, bon, bah, en même temps, fais-le. Parce que pour moi, j'aime beaucoup l'esthétisme. J'aime beaucoup créer mes visuels, etc. Et c'est vrai qu'en ayant fait là, mon site, ça demande énormément d'heures, hein, en fait. Hein. Bah, sur le coup, je me suis dit, mais je n'aurais jamais pu décrire le résultat de ce site à la personne qui l'aurait fait. Donc bref, bon, ça c'est un choix. Hein. Mais tout ça pour dire que ça faisait, je sais pas, ça faisait quand même pas mal de temps que je ne proposais plus, notamment, de consultations individuelles. Là, les consultations individuelles sont revenues. Alors bien sûr, de façon très limitée, parce que j'ai à cœur, personnellement, d'accompagner le plus de monde possible. Et à l'heure actuelle, bah, ce que j'ai créé, j'avais envie de créer un espace, vous l'avez peut-être entendu, hein, c'est l'astrosphère. Quand vous arrivez sur mon site, c'est une des premières choses que vous voyez, parce que c'est la façon la plus accessible d'être en contact avec moi mensuellement. Donc l'astrosphère, c'est un espace qui va évoluer. C'est-à-dire que là, en commençant, je gère beaucoup de choses là actuellement, étant donné que j'ai besoin d'aide, hein, n'est-ce pas? Bref, donc je me suis dit, commence doucement. C'est-à-dire au niveau de ce que je propose dans l'astrosphère. En même temps, pour moi, ça permet, parce que là, on n'est pas nombreux, ça permet bah, d'avoir un lien. Moi, ça me permet de prendre soin des personnes qui sont dans l'astrosphère actuellement. Alors, c'est quoi l'astrosphère? Donc, le principe était, je n'ai pas envie forcément de faire comme avant. Hein, pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez pu voir que les vidéos de lune ont été modifiées. Ça faisait, je sais pas, 5 ans que je faisais toujours une vidéo de lune, bah, nouvelle lune et pleine lune. Vous imaginez 5 ans où j'ai peut-être raté une ou deux fois de créer la vidéo et encore, je suis même pas sûre. C'est énorme. Et à un moment, je me dis, mais tu as changé, tu as envie d'autre chose. Et est-ce que c'est en faisant toujours les mêmes choses de la même façon que c'est bah, c'est correct? Est-ce que c'est intègre par rapport à ce qui joue en dedans de toi? Donc moi, ma conclusion a été non. Est-ce que c'est une prise de risque? Bah, peut-être. Mais en même temps, à un moment, le risque était de me perdre. Hein, vous voyez? Enfin, pour moi, il y a un côté, tu deviens un robot, quoi. Et puis, vous avez pu le voir, en hein, période de Covid, il y a énormément de gens, là, ça a popé au niveau astrologique, et même sans astrologie, qui parlent des lunes. Donc à un moment, je me suis dit, mais bon, je suis bélier, hein, donc il y a un côté d'initier des chemins. Et je me suis dit, bon, ben, ok, là, bon, si les gens veulent l'information, ils vont l'avoir, je veux dire, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Vraiment, pour être totalement transparente, c'est ça qui s'est produit en moi. Je me suis dit, mais ça n'a plus de sens, toi tu fais toujours la même chose, et en plus, t'es de moins en moins vu, bah oui, ça joue la visibilité. Hein, mais je voulais pas retirer, parce que moi, ce que j'aime, c'est partage, mais je voulais vraiment un partage. Donc je me suis dit, ok, donc crée l'astrosphère. Là, tu vas avoir le temps, c'est-à-dire aussi de l'énergie, bah de t'occuper des personnes qui sont là. Donc dans l'astrosphère, vous retrouvez les vidéos, donc une vidéo à la nouvelle lune, une vidéo à la pleine lune, avec, donc il y a, voilà, bah, je vous parle des énergies, bien sûr, des lunes. Je tire aussi des cartes pour, voilà, vous pouvez chercher votre énergie propre. Et il y a aussi un cahier où je vous amène à vous poser, entre guillemets, les bonnes questions pour la période concernée. Donc il y a aussi ça en plus. Dans l'astrosphère aussi, en direct, une fois par mois, on a un rendez-vous. Là, le rendez-vous, c'est le 23 mars. On va se parler de l'équinoxe, on va se parler de la conjonction Neptune-Jupiter en poisson. Mais je ne vais pas vous en parler que comme ça, en mode astrologique. On va en parler de façon appliquée.
Et à chaque fois, ces ateliers mensuels, à la fin, on termine par un soin, en fait, un soin d'intégration. Parce que c'est une de mes particularités, certains le savent, je donne des soins de groupe, le recalibrage stellaire depuis, je ne sais plus, 4 ans, un truc, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça fait partie intégrante de moi. Donc on peut me dire, on ne me le dit pas, mais on pourrait me dire, mais tu fais beaucoup trop de choses. Non, en fait, pour moi, il y a toujours cette ligne directrice dont on parle depuis le début, c'est oser être qui l'on est. Et si on peut utiliser plusieurs choses pour y parvenir en fonction de l'identité de chacun, bah, c'est encore mieux. Parce que bah, on est différents, c'est peut-être pas pour rien. On œuvre pour la même chose aussi. Donc dans l'astrosphère, il y a ça, et puis chaque semaine, et l'air de rien, c'est bah, c'est pas rien. Il y a une. En fait, enfin, il y a je tire une carte. En plus des énergies de la semaine, je tire une carte avec un message particulier, et donc chacun est amené à parler de ça. Et dans mon accompagnement, dans l'astrosphère, attention, il y a aussi de l'individuel, parce que chacun peut me partager sa carte du ciel par rapport à la période, hein, c'est pas une consultation, vous l'avez bien entendu, mais par rapport à la période, de dire, tu vois, moi je me sens comme ci, comme ça, tiens la carte, et moi je vais vous faire un écho, afin de clarifier où vous en êtes. Et ça me tient à cœur, en fait, ce côté, ok, c'est du groupe, mais t'as quand même de l'individuel, et c'est pour ça que je dis que c'est la façon la plus accessible de travailler avec moi, et sincèrement, bah, vous restez en autonomie, voilà. Et ça va, je pense, évoluer, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs que j'aimerais ajouter, comme là, spontanément, j'aurais fait un tirage de cartes, et parce que c'est ma nature, c'est juste qu'à l'heure actuelle, bah, je gère vraiment beaucoup de choses, donc j'y vais doucement, en fait, parce que je me dis, hey, on va pas te charger la mule, hein, comme on dit. Donc ça, c'est une chose. Mais donc, comme je vous l'ai dit aussi, j'ai réouvert les consultations individuelles et je vais un peu plus vous préciser comment, quoi, etc. Alors, je les avais fermées. Pourquoi j'avais fermé les consultations individuelles? Eh bien, tout simplement parce que quand j'ai trop de répétitions dans ma vie en général, je perds le plaisir. Et moi, je veux accompagner dans le plaisir. Donc, je ne peux pas, au niveau énergétique, hein, certains le peuvent et c'est tant mieux, très bien et tout ce que vous voulez. Accompagner, je dis n'importe quoi, 4 personnes dans la semaine en astrologie. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez déjà une consultation en astro, etc. Personnellement, je donne énormément d'énergie. C'est-à-dire quand je parle, je donne de l'énergie. Ce n'est pas juste je te parle à ton mental, non. On vient toucher quelque chose. Et pendant 2 heures, tu parles. Alors oui, il y a un échange, mais sincèrement, ça donne beaucoup. Et comme bah, à côté, bah, j'aime faire aussi d'autres affaires, bah, vous vous rendez bien compte, même là, on se fait un live, mais je fais les vidéos, je fais ci, je fais ça. À un moment, ça prend beaucoup. Alors oui, je vais me faire, hein, je vais intégrer quelqu'un d'autre dans l'équipe à un moment, je présume, mais voilà. Après, il y a aussi, il faut prendre soin de soi, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a vraiment besoin de se respecter et de ne pas se juger, se comparer. Parce qu'à un moment, je me disais, mais pourquoi l'autre y arrive et pas moi? Bah voilà, après, on n'a pas les mêmes expériences non plus. Donc, dans les consultations individuelles, il y a, on va dire, la base, la boussole intérieure, à savoir, c'est un rendez-vous de 2h-2h30 ici, où on va se parler notamment de votre lune noire. Pour moi, la lune noire, c'est un des points initiatiques d'une carte du ciel. Et on va se parler de la croix de la lune noire, hein, pas que de l'emplacement de la lune noire. Donc ça va permettre de voir c'est quoi votre essence, c'est quoi votre don divin. Ok, vous avez la vie que vous avez, mais qu'est-ce qui peut-être vous fait peur en vous et qui pourtant est vous? Donc on va dénicher ça, le mettre en lumière. On va regarder bien sûr Chiron, qui nous parle d'une blessure qui provient quelque part de cette vie-ci, et de voir bah, les solutions, hein, bien sûr, et de voir où vous en êtes. Parce que ça aussi, hein, votre thème de naissance, c'est le moment de la naissance. Donc, dépendant de l'âge et de la conscience, en astrologie, on ne sait jamais la conscience de la personne. Je peux avoir 2 personnes nées à la même date, le même jour, à la même heure, et ils n'en sont pas au même point dans leur vie parce que la conscience, c'est-à-dire bah, l'âme, on ne peut pas voir, quoi. C'est-à-dire, voilà, on voit ce qui s'est passé au niveau de la dynamique avec les parents, etc. Qu'est-ce que la personne est venue quelque part accomplir dans cette vie en termes de vibration? Ah, la forme, c'est toujours vous qui la donnez, donc il y a toujours un libre arbitre. Mais la conscience de la personne, où elle en est dans son évolution en termes de conscience, on ne peut pas le voir. Donc voilà. Aussi, ben, on regarde toute la carte, hein, on regarde le chemin de vie, comme on dit, etc. Et on regarde ce qu'on appelle les progressions. Donc c'est l'évolution intérieure. On regarde les transits, on va dire les événements extérieurs qui vous arrivent dessus, c'est pour aussi clarifier qu'est-ce que vous vivez présentement. Et on regarde aussi la révolution solaire. C'est une carte en fait de l'année, à partir de votre date d'anniversaire, de l'année en fait que vous allez vivre pour un peu comprendre c'est quoi les gros challenges, les gros défis de l'année. Donc on regarde tout ça. Donc vous avez la boussole intérieure. Ensuite, alors vous allez me dire, mais ça fait beaucoup, j'ai un côté gémeaux, mais en fait j'aime bien proposer et puis vous disposer, hein, c'est ça. Au moins il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi la boussole intérieure en version un peu plus immersive, hein, que j'ai appelée la rose des vents.
à savoir tout ce que je viens de vous dire, mais en plus, vous allez recevoir en fait une huile essentielle par rapport à votre carte du ciel, et on va faire un soin. Donc on va finaliser quelque part la session, donc là ça va plus durer du 3h-3h30, avec le soin en fait, et qu'est-ce qui sera ressorti, hein, quel est votre besoin, parce que oui, quand vous venez en consultation en ma compagnie, vous recevez un formulaire avant à remplir, pour vraiment marquer, ok, c'est quoi les blocages, c'est quoi les croyances, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est aussi de vous aider à vous débloquer là maintenant. Ensuite, on a l'astrologie relationnelle. Je ne sais pas si vous connaissez l'astrologie relationnelle, il y a ce qu'on appelle la comparaison de thèmes, ce qu'on appelle une synastrie, donc on va prendre le thème de vous et de votre partenaire, après ça peut être le thème de vous et de votre père, de votre mère, enfin vous avez compris. Et on compare, on regarde, c'est quoi les atomes crochus, c'est quoi la dynamique. Bon. Et il y a également le composite, qui est le thème de la relation. Je prends le thème des deux, et mixé ensemble, ça donne un troisième thème. On le dit, hein, on le dit, une relation, finalement, c'est une entité à part. Il y a les deux personnes, et il y a l'entité. Donc ma façon de travailler avec le côté relationnel, c'est vraiment de voir, le but c'est pas de dire est-ce que ça va marcher ou pas, j'espère que vous le savez ça, parce que tout peut fonctionner dans la vie, on a la carte du ciel qu'on a, mais à nous d'aller au-delà de notre carte, hein. Bien sûr, ce sera en vibration avec ce qu'il y a noté dedans, voilà, mais le but c'est d'aller au-delà des blocages et compagnie, et voilà, d'être libre, en fait. Et donc c'est de voir, par exemple, vous venez, vous me dites, bah voilà, il y a telle chose quand même dans la relation, etc., qui est difficile pour moi, j'aimerais savoir où on va ensemble. Ça, c'est des choses qu'on peut regarder avec le thème relationnel. Donc, ce que je vais vous dire, c'est, bah, tu vois, la relation, il y a ci, il y a ça, comme en jeu, mais toi, ça te touche plus que l'autre, parce que il y a telle et telle chose qui font résonance. Donc, en fait, ça permet de venir travailler avec vous, de débloquer ce qui a besoin d'être débloqué ici avec vous-même. Donc, ça, vous pourrez voir, c'est la rose mystique. Tout est très bien classé, vous verrez, tout est très bien classé. Voilà, mais ça, c'est une part, pour moi, très importante de l'astrologie, ce côté relationnel. Ça, on comprend très vite. C'est quoi la dynamique? C'est quoi les enjeux? Pourquoi moi ça me travaille à ce point-là? Et donc on peut travailler sur notre propre carte par rapport à ça. Parce que finalement, chaque relation, qu'elle soit amoureuse ou pas, vient nous renvoyer quelque chose de nous. C'est génial, voilà. Ensuite, au niveau individuel, je propose aussi la voie du feu sacré pour les entrepreneurs. Donc là, ça donne l'impression de beaucoup, mais moi si je prends deux personnes dans le mois, c'est très bien déjà. Parce que des fois, je ne prends personne, mais au moins, c'est là. Parce que sinon, ça n'existerait pas, hein, tout simplement. Donc pour les entrepreneurs ici, on va venir regarder le thème de l'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez. Par exemple, dans mon cas, à un moment, je ne comprenais pas, donc je regardais ma carte du ciel, je me disais, mais comment ça se fait que je vais au-delà de mes limites, hein, par moment? Et en fait, c'est dans la carte de mon entreprise que c'est indiqué. Donc c'est assez intéressant de voir l'influence qu'a notre entreprise par rapport à nous, et pouvoir travailler avec ça, au-delà de tout ce qu'on peut travailler avec nous-mêmes. Je parle de travail, mais on s'entend, c'est toujours dans une dynamique d'être en paix avec soi, d'être dans le mieux-être avec nous-mêmes. Hein. C'est pas dans l'optique « je suis pas assez ». Non, on est assez en tant que tel, mais on le voit bien dans le quotidien, mais on aimerait être juste bien, et des fois, y a des choses qui viennent nous crapahuter notre esprit, et donc c'est à ça en fait que j'aspire même personnellement, c'est d'être plus sereine en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas que ça, la voie du feu sacré, on va aussi regarder, je fais un peu de human design, donc on va regarder cette approche-ci. Donc pour moi, ça part, hein, quand on est entrepreneur, d'une très bonne connaissance de soi, justement, de voir la dynamique avec nous-mêmes. Et puis ensuite, dépendant du pourquoi vous voulez être accompagné par moi, on va regarder votre site internet, hein, on va regarder votre façon de communiquer, et on va faire en sorte que les choses soient le plus fluides possible pour vous. Et bien sûr, pour ça, on va aussi travailler les croyances limitantes par le Theta Healing. Donc le Theta Healing, c'est pas forcément très connu, mais c'est une méthode, on va dire ça comme ça, qui permet de vous guider pour aller au-delà des peurs qui peuvent être présentes. Et même des fois, enfin, on pense que c'est ça la peur, mais en fait, c'est autre chose. Donc ça, c'est très intéressant à remonter. Oui, alors Pat Raphaël, le Human Design, il faudrait que j'en parle, je pense que je ferai une vidéo directement dessus. C'est une méthode qui consiste, donc pareil, il y a de l'astrologie, c'est un mélange d'astrologie, de yiking notamment, et avec la date de naissance, donc on a besoin de la date, de l'heure et du lieu, tu peux regarder hein, sur internet, hein, vous pouvez faire votre charte Human Design super facilement, et puis il y a de très bons comptes aussi là-dessus, là, sur les réseaux. Ça va permettre de voir un petit peu ta tendance énergétique,
Donc, autant dans l'astrologie, on va regarder, on va nommer vraiment précisément les blocages, etc., les dynamiques en toi, les tensions à l'intérieur de toi, d'où ça provient et tout. Autant le Human Design, c'est un outil, je trouve, très applicable au quotidien. À partir du moment où tu as compris comment est ton fonctionnement énergétique, on est vraiment dans l'énergétique, eh bien, bah, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Voilà. Dans le sens où, personnellement, j'ai remarqué que si je n'ai pas, je suis générateur, il y a quatre types, enfin, il y a quatre types, ouais, ils appellent ça des types. Moi, je suis générateur, la majorité du monde sont générateurs. Et j'ai remarqué en effet que quand je n'ai pas de joie, le générateur, en fait, c'est la joie qu'il doit ressentir le plus souvent pour savoir qu'il est aligné avec lui. Et s'il ressent de la frustration, ben, il est dans ce qu'ils appellent le non-soi, donc t'es pas aligné avec toi, quoi. Et personnellement, j'ai pu le remarquer assez facilement. Il y a des choses là que j'ai dû faire dernièrement, et j'étais là, mais je traîne à faire ces choses-là qui normalement demanderaient quelques heures. Et je me suis dit, mais t'as de la joie? Non. Voilà. Donc j'ai compris pourquoi ça me prenait beaucoup plus d'énergie, et c'est pour ça que je mentionnais dans ma façon de travailler, bah, je veux faire en sorte de faire des choses qui me donnent de la joie, parce que bah, là c'est fluide en fait. Et on est comme habitué depuis très longtemps à faire des choses qui ne nous donnent pas de joie en fait. C'est pas normal. Alors, on s'entend, enfin là tout le monde dirait bah oui, mais dans les faits, même au quotidien quoi. Donc bref. Voilà pour toute petite intro au Human Design. Donc voilà pour tout ce qui est individuel. Après, quelque chose qui est nouveau, mais pour moi, je me suis dit, mais ça coule de source à l'heure actuelle, vous pouvez aussi, si vous pratiquez l'astrologie, je propose du mentorat. Donc soit du mentorat one shot, genre une heure et quart, où vous avez envie que je regarde avec vous, donc là c'est pas une consultation, hein, ce serait vraiment que je regarde avec vous un point précis de votre carte du ciel, ou encore que vous avez envie qu'on regarde ensemble une carte que vous êtes en train vous-même d'analyser. Ça, c'est possible. Mais sinon, je propose ce que j'appelle l'astro-expérimental. Donc là, c'est plus du mentorat, mais sur 3 mois, où on est en contact régulièrement sur WhatsApp, Signal, etc. Et où on va aborder, donc voilà, il y a des vidéos, ce genre de choses, on va aborder chacune des planètes, etc. Et à chaque fois, je vous fais un retour par rapport à cette planète dans votre carte du ciel. Par exemple, cette semaine, on parle de Mercure, donc il y a une vidéo sur Mercure. Mais en plus, je vous fais un audio par rapport à votre Mercure natal en vous, et je vais vous inviter à vous observer là-dedans, à vous observer par rapport à ce que je vous aurais dit sur cette planète. Ça parlera à ceux qui font de l'astrologie, ceux qui n'en font pas, vous allez vous dire de quoi elle parle. Mais voilà, donc pour moi, c'était pour aller plus en profondeur, pour vraiment intégrer les énergies, parce que bah, c'est un peu ce que je fais depuis plus de 25 ans, de m'observer dans les énergies de mon thème. Et je me suis dit, bah, en fait, tu peux le proposer. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres choses. Oui, c'est long, mais tout est très bien fait. Sur le site, j'ai mis un onglet agenda. Là, vous avez toutes les choses qui s'en viennent dans le courant de l'année. Il y en a qui vont être ajoutées, notamment les ateliers mensuels de l'astrosphère. Soit vous rejoignez l'astrosphère, soit vous pouvez les prendre individuellement aussi. Sachez-le. Donc c'est dans l'agenda, vous allez trouver le lien comme ça. Aussi, pour l'été. J'ai pas encore de date, mais justement, il y a un formulaire si vous êtes intéressé. Je propose un bootcamp astro avec grand max 6 personnes dans le bootcamp. Donc, ce serait pendant 3 jours, on ferait 3 heures d'astro par jour. On ciblerait, donc il y a le formulaire, on ciblerait. Est-ce que vous voulez qu'on voit les aspects astrologiques? Donc, on va faire que ça, entre guillemets. Hein, sur les 3 jours, on peut faire plusieurs choses. Est-ce que vous voulez qu'on regarde plutôt les signes, telle planète? Voilà, donc ça s'appelle un bootcamp. Parce que j'aime bien le nom, hein, Bootcamp Astro, je trouvais ça marrant. Voilà. Et le but, bah, c'est du condensé. C'est de la pratique, mais condensé et en petits groupes. Ensuite, hein, bon, c'est pour un peu plus tard, il va y avoir en septembre prochain, mais les inscriptions sont ouvertes, avec possibilité de payer en plusieurs fois, la chimie des astres, hein, qui revient, ma formation en astrologie sur 5 mois. N'hésitez pas à aller voir ou à me poser des questions là-dessus si vous voulez. Donc j'ai ouvert déjà les inscriptions en me disant bah, pour certains, payer en beaucoup plus de fois que ce que je propose d'habitude, ça peut être pratique. Bonjour, voyance Michel. Et voilà pour ça. Prochainement, il va y avoir un atelier gratuit sur l'art de s'incarner. Donc c'est un atelier sur l'argent. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'espace, hein? Vu tout ce que je fais, vous comprenez qu'à un moment. Donc bref. Il va y avoir donc oui, un atelier sur le rapport à l'argent, la relation à l'argent, où je vous partagerai bah, un petit peu mon expérience, ma relation à moi, plutôt, on va dire, et où je vous donnerai des pistes pour bah, essayer de voir où vous en êtes, vous, avec votre relation à l'argent. Parce que finalement, l'argent en fait tout un fromage, j'ai envie de dire.
On a tendance à dire qu'on ne veut pas d'argent, certaines personnes en tout cas, et en même temps, d'autres vont dire bah, si, il en faut quand même pour, bah, pour être simplement bien. Et tout ça pour dire qu'en fait, la question n'est pas l'argent. La question, c'est d'être serein, c'est d'être en paix. Et j'avais envie de donner cet atelier ici totalement gratuitement parce que c'est beaucoup plus pour les entrepreneurs ici, mais n'importe qui peut venir, hein. Mais je donnerai plus des tips pour les entrepreneurs en tant que tels. Parce qu'à un moment, je me dis, bah, si c'est ça qui te bloque alors que tu as des merveilles à donner au monde, il faut faire quelque chose, quoi. Enfin voilà, donc c'est un peu une contribution, on pourrait dire. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, au printemps, il y aurait quelque chose pour les entrepreneurs, si, si, si. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est en cours de préparation. J'avais envie en fait de parler aux entrepreneurs qui ont déjà un an d'entrepreneuriat et en fait, bah, quelque part, partager le parcours que j'ai eu. Enfin, le parcours que j'ai eu, les expériences que j'en ai faites, les conseils que je peux ici donner et adapter toujours à l'entreprise de chacun. C'est-à-dire que oui, ce sera un accompagnement entrepreneur, mais les places seront limitées, encore une fois, pour vraiment travailler en intimité. Et puis, alors ça, je verrai, il y a forte chance qu'il y ait un programme aussi Osez votre essence, quand vous allez sur mon agenda, vous le voyez. Osez votre essence, c'est le premier programme que j'ai créé il y a très longtemps, il y a bien 6 ans, je crois. Sauf que là, bien sûr, il va être actualisé par votre serviteur ici. Voilà. Donc à suivre. Parce que là, Osez votre essence, ce sera d'abord l'accompagnement entrepreneur. Et Osez votre essence, je verrai où j'en suis. Je ne veux pas trop m'en mettre, mais en même temps, j'ai tellement envie de travailler avec vous et de différentes façons parce que ben, c'est ainsi que voilà. Donc si vous avez des questions ici, c'est le moment. Même si c'est très dense et tout le monde n'était pas là depuis le début, mais au moins c'est comme une mise au point. Et tous les accompagnements ici, quelque part, hein, visent, alors à part le côté technique de l'astro, mais visent vraiment à pouvoir faire une différence. En fait, d'amener notre différence au monde, d'oser qu'il en est, de dépasser les nombreuses croyances que l'on a pour être tout simplement mieux avec nous. Hein. Enfin, c'est juste ça. Je pense que, bah si, quelque part, c'est juste ça. Parce qu'à un moment, on peut se dire, bah oui, si j'étais dans un autre pays, bah oui, si je voyageais, bah oui, je ne sais trop quoi, genre je serais mieux. Bah non, tu peux déjà être mieux là, parce que tout est déjà là, en fait. L'extérieur vient faire des reflets, mais tout est déjà là. Quand je dis l'extérieur, c'est les autres, c'est les environnements, etc. Ça vient aider, mais on est en capacité, finalement, de se trouver nous-mêmes à n'importe quel moment et dans n'importe quel contexte. Si on parvient, bien sûr, à calmer notre système nerveux, mais ça, on pourra s'en parler, hein, parce que la notion de survie avec un dessus dans Scorpion, je peux vous dire qu'elle est assez forte, et pourtant on a le nœud nord en taureau, et on le voit dans le monde. Hein. Ok, nœud sud de Scorpion, hop là, une guerre. Okay, donc ce qu'on vit, ça reste quand même la paix, donc restons quand même conscients de ça, que c'est le nœud nord en taureau. Donc à un moment, on va bien parvenir chacun à trouver une stabilité avant de pouvoir amorcer, hein, juillet 2023, des changements un peu plus conséquents. Et dans le bon sens, rassurez-vous, à mon sens en tout cas, c'est une possibilité. Voilà. Oui, j'ai beaucoup parlé. Êtes-vous là? Êtes-vous toujours ici? Tout va bien. En tout cas, j'ai bien envie. Après, encore une fois, c'est parce que j'ai plein de choses de fond en ce moment que je suis en train de gérer. Mais j'ai bien envie de faire un peu plus de live. Hein, voilà. Pas forcément, là, je vous ai présenté ma façon de travailler, où j'en suis, etc. Mais sur d'autres choses. Et puis oui, il y a aussi des surprises. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire, mais il y a une petite surprise qui s'en vient aussi, je pense, en avril. Donc voilà. Voilà. Donc là-dessus, je vais vous laisser, parce que je vois que vous n'êtes pas bien bavard. Merci Patrafal, merci. Oui, il me dit, bah, c'est complet, mais ça peut paraître dense, mais encore une fois, c'est. Oui, il y a plein de portes, mais bon, on verra qui vient, à quelle porte, et voilà. Bon. Mais au moins, je me dis, ça mérite, ça existe, c'est là. Voilà. Après, pour tout ce qui est individuel, n'hésitez pas à vous mettre, il y a une liste d'attente. La semaine prochaine, j'ouvre les dispos pour avril notamment. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur la liste d'attente, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes intéressé, mais vous ne savez pas si c'est le mois prochain ou bien plus tard, au moins si vous êtes sur la liste, vous savez que vous avez l'information en priorité. Ouais, Pascal, tu nous dis, on a beau faire toujours le même chemin, on peut toujours découvrir des choses que l'on n'avait pas encore remarquées. Oui, totalement. Et c'est vraiment le. Enfin, moi, à chaque fois, je me dis, hein, parce que, comme tout le monde, je pense, j'ai mes moments un peu plus down, ou le côté, oulala, les peurs sont plus là.
Et puis après, hop là, t'arrives à dépasser la peur. Et à chaque fois, je me dis, mais quand même, c'est merveilleux. On est avec nous-mêmes jusqu'à la fin, mais on s'ennuiera pas, hein, parce que voilà, à chaque fois. Oui, pas de rafale, tu as les tarifs, tu verras, en fonction de chacune des choses. Ce qui est vraiment le plus accessible, encore une fois, ça reste l'astrosphère. Je vous préviens. Mais après, les tarifs sont aussi en fonction du fait que je prends très peu de personnes. Donc, bah, c'est, voilà, y a une logique derrière, quoi, à un moment. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'avais tout arrêté. Enfin, en termes d'individuel, j'avais tout arrêté en me disant, bah là, ça marche pas, quoi. Voilà. Donc, bah, je vais vous souhaiter un beau samedi. Je vous remercie d'avoir été là parce que je sais que l'horaire n'est pas forcément le plus pratique, mais des fois j'ai fait ça à des horaires que je croyais plus pratiques, par exemple en soirée chez vous en France, mais j'ai vu que bah, non, pas forcément. Donc là je me suis dit, bah, tu sais quoi, toi t'es du matin, parce que moi chez moi c'est le matin là, donc fais ça le matin. Donc voilà. Bon, là-dessus, je vous souhaite donc une belle journée, comme je disais, et pour ceux qui y voient tout ça en replay, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en avez le goût. Prenez soin de vous et à tout bientôt.